Bonjour à vous les lions, bienvenue dans votre tirage horoscope de ce mois-ci. Alors, pour ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot renard, c'est un jeu que j'ai créé en volée sauvage, le premier jeu de Wild, et le petit oracle des couleurs. Alors, je vous mets les références de tous ces jeux juste en dessous en barre d'infos pour aller les découvrir. J'ai fait des vidéos aussi de présentation de tous ces jeux si vous souhaitez en savoir plus. Je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter au mieux votre tirage. On va commencer tout de suite par une carte du petit oracle des couleurs. Alors, coquelicot pour vous les lions, pour vous ce mois-ci. Alors, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc vous allez avoir pas mal d'opportunités qui vont se présenter à vous pour ce mois-ci. Il va falloir les reconnaître et sauter dessus pour justement voir ça comme des signes pour votre évolution personnelle. Alors les coquelicots, je vais les mettre ici. Je vais tirer une carte d'envolée sauvage, mais on la lira à la fin. J'aime beaucoup utiliser ce jeu en fait pour terminer un tirage. Ça peut être, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire votre carte quotidienne. Mais là, dans le cas présent, je trouve ça chouette de le prendre pour une carte de fin. Hop, on va prendre celle-ci. On est dans les sous-bois. Magnifique. Alors, je vous la montre après. On va commencer notre tirage avec le tarot renard. Je vais prendre trois cartes. Celle-ci, celle-là. Non, pas toi. Hop. Et une carte pour chapeauter. Voilà, pour l'énergie générale. Chapeauter les trois autres. Alors, votre carte centrale, on a le 9 de denier. Très belle carte du 9 de denier, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte qui vous parle en plus d'accomplissement, de self-control, de liberté aussi personnelle et intérieure, de liberté aussi dans le sens général hein, du terme. Moi j'aime beaucoup voir aussi cette liberté intérieure, quand on arrive à se détacher justement de certaines émotions, de certaines douleurs, de certaines difficultés personnelles, et quand on ressent ce déclic justement de bien-être et de liberté, l'impression de reprendre son souffle. Pour moi, on est dans cette carte du 9 de pentacle denier. Donc voilà, là on est dans un accomplissement. Vous avez réussi quelque chose et on vous invite simplement à l'observer, à prendre plaisir en fait à ce que vous avez accompli. Ne commencez pas tout de suite autre chose. Ne vous lancez pas directement dans autre chose. Prenez le temps vraiment de savourer votre succès. Prenez le temps de savourer aussi la réussite de vos efforts. Parce que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous êtes arrivé là parce que vous avez eu du courage à un moment donné. Vous avez entamé quelque chose. Vous avez osé faire quelque chose. Vous avez pris du temps aussi pour mettre en place et pour prendre soin de votre projet ou de ce que vous avez mis en place en fait. Donc soyez fiers de vous, il y a vraiment une fierté à avoir aussi ici. Alors, ici on a le 10 d'épée, le 5 d'épée et le 6 d'épée. Dis donc, on est beaucoup dans le mental là. Ça cogite, ça va beaucoup cogiter pour ce mois-ci. Ça va beaucoup cogiter et puis on voit aussi qu'il y a une forme de libération de la pensée avec le 10 d'épée où au bout d'un moment les pensées sont tellement lourdes, tellement accablantes qu'on arrive aussi à lâcher prise dessus. On vous invite à remettre aussi de l'émotion. Faites attention à ne pas vous victimiser. Voyez justement vos réussites, voyez tout ce que vous avez réussi à mener à bien. Et ne vous focalisez pas sur le négatif. En fait, votre pensée, si vous commencez à cogiter toutes les choses négatives, votre pensée va vraiment se focaliser dessus et tourner ça en boucle.
Donc c'est pas la chose à faire ici. La chose à faire, c'est au contraire essayer de mettre de l'émotion un petit peu, de se reconnecter un petit peu à vos émotions, de se reconnecter à la matière en se disant hop hop hop, j'ai quand même réussi à faire ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis fière parce que, je suis fière parce que, etc. Faites une liste. Voilà, lâchez prise, ne vous victimisez pas, prenez conscience aussi de toutes vos belles réussites pour arriver à vous détacher de cette impression justement de tourner en boucle dans les émotions négatives. Ici, avec la carte du 5 d'épée, on a quelque chose qui montre que vous êtes dans une forme de conflit, de désaccord, peut-être soit avec quelqu'un, soit un conflit intérieur également, parce que là on est quand même beaucoup dans la pensée, donc j'ai l'impression que c'est, il y a beaucoup de choses qui se tournent un petit peu, que vous tournez en boucle dans votre tête. Et puis plus vous allez les tourner en boucle dans votre tête, plus vous aurez l'impression que plus vous allez renforcer ces idées de... peut-être vous allez interpréter les réactions d'une autre personne et vous allez la tourner, la ressasser sans arrêt jusqu'à ce que pour vous ça vous semble évident que cette personne a fait ça parce qu'elle voulait que je souffre ou parce qu'elle a agi dans son propre intérêt, etc. Alors qu'en réalité, c'est peut-être pas du tout le cas. Mais plus vous allez cogiter, plus vous allez en fait nourrir ce conflit intérieur, plus vous allez nourrir cette idée de voilà, ce conflit intérieur. Moi, je pense que c'est le terme juste ici. Et d'ailleurs, avec la carte du 6, on vous invite à vous éloigner. On vous invite à prendre de la hauteur, vraiment à vous libérer un petit peu de cette focalisation sur une pensée, une idée. Et au contraire, et ben de prendre du recul un maximum pour justement vous libérer un petit peu de cette vision qui vous limite en fait, qui ne vous donne qu'un seul axe de vision ici, avec la carte du 5 d'épée. Donc ne prenez pas les choses pour quelque chose de vrai, ne prenez pas les paroles des autres comme étant contre vous, ne vous victimisez pas. Au contraire, essayez de vraiment avoir un regard beaucoup plus distant par rapport à ce que vous croyez juste pour vous dire, mais est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que j'en ai la preuve? Est-ce que je suis sûre que cette personne a dit ça parce qu'elle voulait que je souffre ou parce qu'elle voulait ça ou ça? Voilà. Donc faites cet effort en fait d'éloignement, de défocalisation. Alors, avec la carte Envolée sauvage, on a la clairière enchantée. Loin des préoccupations du quotidien, il existe un endroit enchanté et chargé en magie puissante. C'est un lieu paisible où il fait bon se ressourcer et guérir. Ferme les yeux, calme ton esprit et laisse-la se dévoiler. Tu es chez toi. Tu y seras toujours accueilli avec douceur et chaleur. Ça me fait penser à un exercice de sophrologie où on vous invite justement pour vous détendre un maximum et retourner un petit peu, calmer votre esprit, à visualiser un lieu calme, un lieu sûr, un lieu qui vous est où vous êtes confortable dedans, où vous vous sentez bien. C'est un exercice qu'on fait justement pour s'apaiser, apaiser le mental, et qui permet de se détacher, de ne plus être soumis aux émotions trop fortes, parce que dans ce lieu, justement, dans cette clairière par exemple ici, c'est vrai que c'est une très belle clairière, on a l'impression ici qu'on est bien, on a l'impression d'être entouré de douceur, de tendresse, la lumière ici qui filtre, qui permet de ne pas avoir trop chaud, les arbres qui permettent de ne pas avoir trop chaud et en même temps qui n'assombrissent pas suffisamment pour qu'il fasse trop froid ou qu'on ait peur. Au contraire, il y a cette belle lumière bienveillante qui nous accueille. Donc on est dans un endroit chaleureux et accueillant. Et ici, on vous invite à faire ce travail justement d'utiliser cette magie de chaleur, d'accueil, cet endroit que vous voyez, pour vous détacher
de vos pensées pour vous détacher et pour vous ressourcer. Calmez votre esprit et laissez-le se dévoiler. Tu es chez toi, tu y seras toujours accueilli avec douceur et chaleur. Voilà, donc ça peut être bien d'ailleurs si vous avez ce jeu lorsque vous vous sentez trop dans un tumulte intérieur, de poser cette carte sur votre autel, de la visualiser, de faire quelques respirations dessus, puis de vous imaginer ici, baigné par les rayons du soleil, vous sentant bien, vous sentant accueilli, vous sentant entouré, vraiment comme dans un cocon. Voilà les lions, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye !